Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis que les médias choisissent d'ignorer? Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? Y a-t-il une élite de l'ombre qui tire doucement les ficelles de notre monde pour la réalisation de son programme politique? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre. Il y a près de 200 ans, Thomas Jefferson écrivait « Si le peuple américain donnait un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient tous les gens de leur propriété jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont occupé. » Depuis la fondation des États-Unis, il y a eu une bataille constante pour savoir qui contrôlerait la quantité d'argent en circulation dans le système. Serait-ce une banque centrale ou bien le peuple, par le biais du Congrès, pour le bénéfice de tous les Américains? Tout tourne autour de la Réserve fédérale, une banque privée à qui on a donné le monopole de la création de la monnaie de papier. Chaque billet de 100 dollars que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de 100 dollars. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le « nouvel ordre mondial » ? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Nous allons examiner la scène d'un crime si grave que vous n'allez pas y croire. Un crime tellement bien ficelé que plus de 80 ans plus tard, la plupart des gens ignorent qu'il a été commis. La création du système de réserve fédérale englobe plus que la monnaie. Certains y voient la naissance d'une conspiration criminelle pour voler l'argent durement gagné par la classe moyenne américaine. D'autres croient que cela fait partie d'un plan pour amener le monde entier sous la coupe d'une élite internationale qui travaille dans l'ombre et qui a appelé son projet le Nouvel Ordre Mondial. Au milieu de tout ça, on retrouve des guerres, des assassinats et des martiens. En fait, si ce n'était pas de ces martiens, vous auriez peut-être entendu parler de cette conspiration incroyable il y a bien longtemps. Le 30 octobre 1938, le réseau Mercury interrompt la musique de Ramon Racuello et son orchestre en direct de l'hôtel Park Plaza de New York pour la présentation d'un bulletin spécial. La célèbre diffusion de la guerre des mondes commence ainsi et décrit de façon hyper réaliste une invasion de martiens. Avant la fin de la soirée, 1 million de personnes prises de panique ont envahi les rues. A story which has become familiar to children through the medium of comic strips and Durant 50 ans, un lourd secret a pesé sur cet événement. Il semblerait que la diffusion de la pièce d'Orson Welles ne soit pas un simple exploit artistique. Had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Ce serait en fait un test psychologique complexe de stratégie militaire effectué par C.D. Jackson pour le compte de la Fondation Rockefeller. Quand les résultats sont analysés 2 ans plus tard, ils sont distribués à des groupes élitistes qui se tiennent loin des feux de la rampe. On compte parmi eux le groupe Bilderbergers, la Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale. C.D. Jackson avait un poste similaire à celui du directeur du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche sous Eisenhower. C'était le chef de la guerre psychologique. La mise au jour du véritable but de la diffusion de la guerre des mondes, c'est-à-dire dans le cadre d'un test psychologique militaire, est essentielle pour comprendre pourquoi les experts croient que la Réserve fédérale, le groupe Bilderbergers et d'autres groupes du genre tirent les ficelles qui contrôlent nos sociétés.
C'est une fraternité dont les membres ont un objectif en commun, celui de garder le contrôle. L'Amérique s'est développée et s'est enrichie si rapidement que nous avons toujours été la bête noire de ces types du nouvel ordre mondial. Ils n'ont jamais réussi à exercer totalement leur contrôle sur nous. L'Amérique est leur cible principale et quand ils l'auront eu, le reste du monde suivra rapidement. Des manias comme J.P. Morgan, par exemple, qui était si riche qu'on l'a choisi comme emblème du jeu de Monopoly, se cachent derrière la façade de la version officielle de l'histoire. Mais leurs objectifs secrets seraient tissés à même l'économie mondiale. Si c'est vrai, nous ne serions que des pions dans un jeu dont les règles ont été écrites dans les corridors de clubs sociaux privés il y a plus d'un siècle. Au large de la côte de la Géorgie, à des centaines de kilomètres au sud de New York, la capitale bancaire du monde, se trouve l'île Jekyll, une retraite d'hiver pour les personnes riches et célèbres. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international J.P. Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. L'histoire de l'île Jekyll est l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle. Vous avez ces banquiers qui prennent ensemble un train réservé à Hoboken. Imaginez, 5 des banquiers les plus importants du monde dans le même train. Les journalistes voulaient savoir ce que cela cachait, mais pendant des années, le secret est resté impénétrable. C'est à la demande du célèbre poète Ezra Pound que Eustace Mullins commence sa propre recherche sur les origines véritables de la réserve fédérale. Plusieurs des jeunes amis artistes et écrivains d'Ezra Pound sont morts durant la Première Guerre mondiale. Ils voulaient comprendre pourquoi ils étaient morts. En fouillant chacun des livres dans chacune des allées de la section économie de la librairie du Congrès, je suis tombé sur un petit magazine qui racontait l'histoire de l'île Jekyll. Quand je l'ai apporté à Ezra Pound, il était aux anges. C'était la découverte la plus importante de sa vie. Ezra Pound appelle cette histoire le plus grand roman policier du XXe siècle. Mais pourquoi? Andrew Gray, le petit-neveu de l'un des 6 hommes qui ont comploté pour la création du système de réserve fédérale, se moque de ceux qui parlent de cabale secrète. Je me demande pourquoi la réunion de l'île Jekyll doit nécessairement être vue comme un complot. Et d'abord, mentionnons que la nécessité de confidentialité ne veut pas forcément dire qu'il y a conspiration. Les lois importantes ne peuvent pas être élaborées sur la place publique. En 1910, il se donne le nom de Club de l'île Jekyll. Ensemble, les membres représentent 1/6 de la richesse mondiale. Ils désirent tellement que les réunions restent secrètes qu'ils utilisent des noms de code même entre eux. Pour les initiés, la phrase « Nous allons en Jamaïque » veut dire qu'ils se rendent à l'île Jekyll. L'excuse pour justifier le tout a été la crise monétaire de 1907, qui a été manigancée par Jacob Schiff et Rockefeller pour prendre le contrôle de sociétés qui les intéressaient. Ils ont dit, nous venons de vivre une autre crise nationale, nous devons élaborer une réforme bancaire. La naissance du système de réserve fédérale a eu lieu en secret sur l'île Jekyll en Géorgie. Le sénateur Aldrich, qui était le président de la commission monétaire, y était. Je connaissais son fils Winthrop Aldrich, qui était le président de la banque Chase. Le plan Aldrich, comme on l'appelle au début, reçoit une telle opposition de la part des démocrates et des progressistes comme William Jennings Bryan que malgré les pressions intenses des grands financiers, le projet de loi n'est pas adopté. Une fois que le plan Aldrich a été mis de côté, les banquiers ont tout de suite mis en œuvre leur plan B.
Comme ils n'avaient pas réussi avec un président républicain, il fallait le faire passer avec un démocrate. En 1912, nous avions un président républicain très populaire du nom de William Howard Taft. Les banquiers avaient besoin de Woodrow Wilson pour faire adopter leur loi. Wilson n'avait pas de charisme, il ne faisait pas le poids contre Taft. Teddy Roosevelt, he was an explosion upon the political scene. Dynamic, outspoken, warm, colorful, exciting, inspiring. And under the surface was a man of ideals. On peut dire que J.P. Morgan avait Theodore Roosevelt dans sa poche. Son bras droit, George Perkins, le vice-président de sa banque de New York, vivait à la Maison-Blanche. C'était son agent de liaison avec le président. Ils ont donc tiré Theodore Roosevelt de sa retraite et il a formé le Parti progressiste, ce qui a scindé le Parti républicain et a permis l'élection de Woodrow Wilson. C'était le seul moyen d'arriver à leur fin. Tout de suite après son élection, le président Wilson a convoqué une session spéciale du Congrès pour abolir le tarif protecteur, qui était l'une des assises de ce pays. Il a ensuite instauré l'impôt fédéral sur le revenu. Puis, pour compléter cette révolution, il y a eu la création de la Réserve fédérale en décembre 1913. La plupart des sénateurs étaient retournés chez eux pour Noël. Dans le milieu législatif, c'est ce qu'on appelle une opération bien huilée. Toute l'affaire s'est passée sans tambour ni trompette. Le président a signé, c'est devenu une loi de notre pays. Un des opposants les plus farouches de la réserve fédérale était le représentant du Minnesota, Charles Lindbergh. C'était le père de Lucky Lindbergh, le premier homme à traverser l'Atlantique en solitaire. Lindbergh s'est battu comme un tigre et a dit de la loi de la réserve fédérale que c'était le pire crime législatif jamais commis dans l'histoire des États-Unis. Et il avait peut-être raison. Dès 1916, le président Wilson commence à avoir des remords. Il déclare « La croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Vers la fin de sa vie, Wilson admet qu'il a été trompé et qu'on l'a forcé à signer cette loi. On prétend qu'avant de mourir, il a murmuré « J'ai involontairement ruiné mon gouvernement. » Selon la loi, lorsque des gens se concertent pour voler quelqu'un, c'est une opération criminelle, ça ne peut pas être autre chose. Peu importe ce qui arrive par la suite, on ne peut pas effacer ces débuts criminels. Voilà ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, un syndicat du crime. C'est comme ça depuis le début. La création de la Réserve fédérale représenterait donc une prise de contrôle des États-Unis par un groupe de financiers internationaux. La Réserve a été créée pour servir les intérêts de quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Mais les intérêts de qui ? Ce n'étaient pas les intérêts du milieu bancaire américain, mais ceux du milieu bancaire international. Les Morgan avaient des avoirs à l'échelle mondiale. Ils ont d'abord fait fortune en Angleterre et ils se sont associés aux Rothschild et à d'autres personnes. La famille Rothschild est l'une des plus riches que le monde ait connues. Au début des années 1800, ils étaient les banquiers les plus importants d'Europe. À la fin du 19e siècle, ils auraient contrôlé la moitié de la fortune mondiale. Derek Wilson, le biographe des Rothschild, a déclaré que les critiques de cette famille ont raison de s'inquiéter. L'empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses. Le pouvoir économique et le pouvoir politique vont de pair. Mayer Rothschild de la Banque d'Allemagne a déclaré « Donnez-moi le contrôle du système monétaire d'un pays et peu m'importe qui écrit les lois. » Rothschild, en 1820, avait plus de pouvoir que ses successeurs n'en ont jamais eu. Cette déclaration est plutôt absurde. La Réserve fédérale ne contrôle pas la masse monétaire, elle l'influence. Déclarer que la Réserve fédérale ne fait qu'influencer la masse monétaire, c'est comme dire qu'un voleur qui vous menace de son fusil peut seulement vous influencer à lui donner votre argent. Bien sûr, si vous lui donnez votre argent, vous avez la vie sauve, mais vous vous retrouvez sans le sou.
Depuis 30 ou 40 ans, les activités de la Réserve fédérale ont un retentissement international parce que le système bancaire est plus global. On ne peut plus réguler la masse monétaire des États-Unis uniquement par les banques fédérales de district. La Réserve fédérale contrôle tout ce qui touche l'argent. L'argent est présent partout et tout le monde en veut. Quand vous donnez à une institution le monopole de l'émission de la monnaie, vous donnez un contrôle total à cette institution. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez. Peu importe si c'est Bill Clinton qui est président, ou si un tel est sénateur du New Jersey, car vous faites un chèque et vous pouvez changer de sénateur. Une des questions les plus délicates dans ce débat est de déterminer à qui appartient la Réserve fédérale. La banque de la Réserve fédérale de New York appartient en majorité à 5 banques d'affaires de Londres créées par la Banque d'Angleterre. L'Angleterre, qu'on considère plutôt comme un satellite politique des États-Unis depuis quelques années, serait-elle la puissance qui tire les ficelles de la politique internationale? Peu importe qui possède la Réserve fédérale. Ce qui compte, c'est ceux qui la contrôlent. Le gouvernement a donné aux banques un monopole et maintenant, le département de la justice ne fait rien pour empêcher les fusions bancaires. Un monopole ne peut exister qu'avec l'aide du gouvernement et celui-ci a beaucoup aidé le monopole des banques. Les accusations les plus graves portées aux dirigeants de la Réserve fédérale sont qu'ils seraient responsables de 3 des plus grandes tragédies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression. La guerre est probablement l'activité qui génère le plus de profits pour un banquier international. Par conséquent, dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 300 ans, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des deux côtés de la ligne de front. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. On l'a présenté comme le moyen d'assurer la stabilité économique de l'Amérique. À peine une décennie après la fondation de la Réserve fédérale, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement la plus grande dépression de ce siècle. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire de 62%. Ce qui est arrivé ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. Au cours des guerres, ces hommes vendent des armes à l'un des adversaires et prêtent de l'argent à l'autre pour faire des profits. Lorsque les profits commencent à baisser, les financiers comme Jacob Schiff, Max Warburg et JP Morgan savent très bien comment les faire remonter. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, et c'est un fait confirmé, que ces gens ont financé Trotsky et Lénine avec des milliards de dollars en or et en prêts pour qu'ils déclenchent la révolution en Russie. Avec l'entrée des États-Unis dans la guerre et le départ de la Russie, le conflit a duré 2 ans de plus. 2 ans de vente d'armes et de prêts sur lesquels faire des profits pendant de nombreuses années. La guerre est une entreprise extrêmement rentable. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre. La guerre est très profitable et quiconque dit le contraire est menteur ou fou. Ils ont réussi à nous faire entrer dans la Première Guerre mondiale. En fait, grâce à eux, la guerre a continué pendant 2 années supplémentaires. Il y a plusieurs personnes qui croient que toutes les guerres de ce siècle ont eu lieu pour qu'un petit groupe de financiers puisse faire des profits. Des gens qui sont dans la sphère d'influence du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Prenons la guerre des Balkans. Qui a fourni des armes à Milosevic? Ce sont les Soviétiques.
Qui finance l'industrie militaire de l'Union soviétique? Les États-Unis et les banquiers européens. Les banquiers ont toujours financé les deux camps lors de conflits majeurs. Les conflits entraînent le progrès, les conflits contrôlés entraînent un progrès contrôlé. Chaque guerre importante amène son lot de ventes d'armement et de prêts gouvernementaux. Les gens doivent payer des intérêts à la banque. Voilà de l'argent créé à partir de rien. L'économiste et prix Nobel Milton Friedman prétend que la Réserve fédérale a provoqué la Grande Dépression en réduisant volontairement la masse monétaire en circulation. Les déposants de tout le pays ont eu peur de perdre leurs épargnes. Ils se sont dépêchés de les encaisser. Ça a été la course et les banques sont tombées comme des mouches. Le système de réserve fédérale n'a pas réagi alors qu'il avait le pouvoir, le devoir et la responsabilité de fournir l'argent qui aurait permis aux banques de remplir leurs obligations face aux déposants sans avoir à fermer leurs portes. Louis McFadden, membre du Congrès et président d'une commission sur les banques au moment du krach, déclare « La Grande Dépression est un événement intentionnellement causé par des banquiers internationaux qui ont créé une situation désespérée qui leur a permis de sortir de cette crise avec les pleins pouvoirs sur nos vies. » Un mémo a circulé avant la chute du marché boursier. Tous les gros joueurs, les initiés, si on veut, se sont retirés du marché à temps. Pendant 4 ans, ils ont tout liquidé. Ils avaient donc de grandes quantités d'argent liquide au moment du krach, ce qui leur a permis d'acheter des compagnies importantes pour quelques dollars. Le gendre de Franklin Roosevelt décrit ainsi la Grande Dépression. C'est le pouvoir financier mondial qui a dépouillé délibérément le public en provoquant un manque soudain d'argent à court terme sur les marchés de New York. Un des initiés, Joseph Kennedy, a vu sa fortune passer de 4 millions en 1929 à plus de 100 millions 4 ans plus tard. Tout comme aujourd'hui, la presse américaine cache certains faits. Ces scènes d'émeutes n'ont jamais été montrées auparavant. Les caméramans ont fait leur travail, mais ces images n'ont jamais été diffusées aux actualités. On contrôle l'information depuis longtemps en Amérique. On ne se prive pas cependant pour diffuser des nouvelles plus frivoles. Heureusement, des personnalités populistes comme le président Andrew Jackson, William Jennings Bryan et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les faits. May I remind our president with all due respect that not one of these soldiers cast a ballot on that fateful Good Friday night in the spring of 1917 to force a peace-loving nation like ours to take up arms for the profiteers and the exploiters of mankind. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. We tried the Republican Party, we tried the Democratic Party, then we've gone back and tried the Republican Party, and now we're back trying the Democratic Party. And unfortunately, whenever we get into power with either one of these parties, we find that the one crying need of our people, the redistribution of wealth, so that none would be too poor and none would be too rich, is always neglected by the party that is in power. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business with. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ces fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis 2 pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les 2 pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson lui considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Someone changes the rules.
Après la guerre civile américaine, le chancelier allemand Otto von Bismarck fait la déclaration suivante. La division des États-Unis a été orchestrée par les pouvoirs financiers d'Europe. Ils avaient peur que les États-Unis anéantissent leur domination financière sur le monde. Ils voyaient un grand avantage à faire affaire avec deux démocraties affaiblies par leurs dettes plutôt qu'à une république forte et indépendante. Abraham Lincoln est conscient de cela et fait tout en son pouvoir pour préserver l'Union. Mais pour y arriver, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il fait appel au banquier de Wall Street qui lui demande 36% d'intérêt par année. Lincoln choisit une alternative moins coûteuse et demande au Congrès d'émettre l'argent. Les billets sont appelés greenbacks et ne sont pas garantis par de l'or mais par le crédit du gouvernement des États-Unis. Avec cette solution, le gouvernement ne paie pas un sou d'intérêt aux banquiers privés. L'assassinat de Lincoln est relié aux banquiers qui voulaient avoir le contrôle de la monnaie. C'est la même chose avec John F. Kennedy, car il voulait réintroduire des obligations du gouvernement plutôt que des obligations de la Réserve fédérale. La Constitution des États-Unis mentionne que le Congrès doit émettre la monnaie et en réguler la valeur. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tout ce mensonge fonctionne. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires, juste après Federal Express. Louis McFadden a combattu la réserve fédérale jusqu'à son dernier souffle. Il disait que c'était un super-État contrôlé par des banquiers et des industriels internationaux dans le but d'asservir le monde pour leur propre plaisir. On a tenté deux fois de l'éliminer. D'abord, un tireur l'a raté, puis il a été empoisonné. Mais un médecin a réussi à lui faire un lavage d'estomac. Des gens assez puissants pour causer les deux guerres mondiales et la Grande Dépression doivent avoir une sorte de club pour se rencontrer et pour partager les profits. Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent. Mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Ce blackout de la presse américaine me fascine. Depuis plus de 20 ans, je vais au Press Club chaque jour. Je regarde les dépêches, les archives et je discute avec mes collègues à qui j'ai souvent posé les mêmes questions. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant 3 jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armés? La sécurité est importante mais discrète. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de se faufiler à travers ces arbres? Je l'ignore, mais je n'oserais pas l'essayer. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Lors de la dernière rencontre du groupe Bilderberg, on comptait parmi les invités le conseiller du président George Stephanopoulos, le sénateur Sam Nunn, David Rockefeller, l'ancien sénateur Lloyd Benson et Henry Kissinger. Un mois plus tôt, 50 groupes libéraux se sont rencontrés à Washington pour discuter de leur opposition aux banques internationales et à la globalisation de l'économie. En réaction à cette rencontre, les Bilderbergers discutent du rôle des libéraux dans les organisations. Le mouvement séparatiste au Canada est aussi à l'agenda. Ils analysent comment les provinces fragmentées de ce pays pourraient être absorbées par les États-Unis.
Il discute également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Est-ce la vérité ou simplement les divagations de théoriciens de la conspiration? Les gens qui traitent les théoriciens de la conspiration de théoriciens de la conspiration ne sont pas les théoriciens eux-mêmes. Nous parlons de faits. Le groupe Bilderberg existe. La Réserve fédérale existe. Les membres du groupe Bilderberg sont ceux qui contrôlent la Réserve fédérale. Voilà des faits. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. » Ils conspirent pour éliminer les États-Unis tels que nous les connaissons, simplement en faisant disparaître notre identité nationale. Pourquoi les principaux médias ne parlent pas de ces choses? Pour répondre, il faut savoir à qui appartiennent ces médias. Si on regarde la liste d'invités aux réunions du groupe Bilderberg, on peut y voir Catherine Graham, la propriétaire du Washington Post. Il y a aussi Conrad Black, qui est un magnat de la presse au Canada et en Europe. Il a lui-même organisé l'une de ces réunions il y a quelques années. Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Dans notre pays, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du gouvernement. Puis vous avez la presse, qui a le devoir de garder un œil sur les trois autres. Si les dirigeants des trois autres pouvoirs travaillent de concert avec les dirigeants du monde entier pour déterminer les politiques économiques, les guerres et les droits humains, alors la presse a la responsabilité de s'ingérer pour informer le peuple. Il y a quelques années, en 1997, la femme du président a assisté à l'une de ses rencontres en Géorgie, et quelques journaux locaux l'ont mentionné. La première dame des États-Unis en réunion avec des personnes qui veulent possiblement contrôler le monde. Ça aurait dû faire la une de tous les quotidiens. Les banquiers internationaux constituent le cinquième pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin. Ce qui peut sembler une conspiration aux yeux de quelqu'un ne relève peut-être que du privé aux yeux d'un autre. En fait, le groupe Bilderberg a une véritable atmosphère de club privé. On ne peut y entrer que sur invitation. Quand on s'arrête à des groupes comme le Conseil des relations étrangères, les Bilderbergers, la Commission trilatérale, il ne faut pas oublier que les banquiers travaillent au niveau international. Les banques centrales de tous les pays travaillent ensemble. Le Conseil des relations étrangères a été formé à la conférence de la paix de Versailles après la Première Guerre mondiale. Plusieurs conservateurs croient que c'est ce conseil qui dirige les États-Unis, mais ce ne sont que des intermédiaires, car les ordres viennent directement de Londres. Apparemment, les décisions prises en secret par les Bilderbergers affectent davantage nos vies que les politiques adoptées lors des débats entre démocrates et républicains. Puisque les autres journaux ne s'y intéressent pas, The Spotlight, un petit journal de Washington, s'attaque à lui seul au voile de mystère qui entoure ces rencontres secrètes. Grâce à nos enquêtes sur le groupe Bilderberg, nous avons pu prédire la fin de la guerre froide, la chute de Margaret Thatcher, la guerre du Golfe et le revirement du président George Bush sur l'augmentation des impôts. Les sociétés financières qui sont dominantes à la Réserve fédérale et au groupe Bilderberg gravitent en grande partie autour des familles Rockefeller et Rothschild. La Chase Manhattan et la Citibank, par exemple, sont dans la sphère d'influence des Rockefeller et des Rothschild. Ils sont la base de l'élite de Bilderberg. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les membres de ces groupes puissent même choisir le président des États-Unis. En décembre 1974, il y a eu une grande headline sur la page éditoriale de Atlantic Constitution that said Jimmy Carter is running for what? And what was about this? Running
American president. Jimmy Carter n'avait été gouverneur de la Géorgie que le temps d'un mandat, et le peuple le connaissait à peine. Cependant, il était en contact avec l'élite internationale parce qu'il était membre de la commission trilatérale de David Rockefeller. On peut affirmer que personne n'avait entendu parler de Jimmy Carter avant. Pourtant, quelques années plus tard, il commence sa campagne électorale en vue de la présidence. Il devient candidat démocrate et toute la presse américaine l'appuie, en particulier les médias affiliés au Rockefeller. Jimmy Carter est dépeint comme un populiste, un gars du peuple. Pourtant, il évoluait dans les plus hautes sphères de l'élite internationale. Quand j'ai découvert que Bill Clinton, le gouverneur pratiquement inconnu de l'Arkansas, avait assisté à la réunion des Bilderberg en 91 en Allemagne, je pouvais prédire un futur politique intéressant à ce jeune homme. Quand j'ai découvert en 91 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Bill Clinton, like Jimmy Tout comme Jimmy Carter, Bill Clinton est un produit de l'Empire Rockefeller. Mais il est encore mieux placé que Carter, puisqu'en plus d'être membre de la commission trilatérale, il a été invité à faire partie du Conseil des relations étrangères. Clinton avait donc la bénédiction des Rockefeller et des Rothschild. Comme tous les enfants américains, j'ai grandi avec le sentiment que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas ça du tout. Même Bill Clinton a admis qu'il n'était qu'un président virtuel dans un de ses discours en 98. Si cette conspiration existe, les fomenteurs de ce qu'on appelle librement le nouvel ordre mondial ont parmi leurs priorités la libre circulation des capitaux et des biens entre les nations. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ce sont ces gens qui veulent fabriquer des téléviseurs à Mexico et qui vont appauvrir les pays du tiers-monde en traitant les travailleurs comme des esclaves pour tirer un plus grand profit de la vente de ces produits aux États-Unis. Les principaux médias de ce pays nous racontent que ces liens avec l'élite internationale ne sont que temporaires et que tout cela est bon pour l'Amérique. Mais rien de tout cela n'est bon pour nous. Regardez les gens qui perdent leurs emplois, les familles qui souffrent. Les coupables sont les groupes comme le Bilderberg, la Commission trilatérale et la Réserve fédérale. Ce sont les membres de cette élite qui en tirent profit, pas les citoyens américains. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves, le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5% par année. Elles veulent 1000%. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Nous avons une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. En d'autres mots, elle n'est garantie que par la confiance dans le crédit de celui qui imprime la monnaie. Si c'est une banque qui crée la monnaie, alors votre confiance est placée dans leur habileté à garder la valeur de cette monnaie à un niveau acceptable par tous. Il faut comprendre que ce sont des gens, pas le gouvernement, ni l'État, ni les banques centrales qui déterminent en fin de compte ce que la monnaie vaut. C'est comme ça depuis 5000 ans. La question initiale demeure. Sommes-nous les citoyens d'une grande démocratie ou sommes-nous victimes d'une sinistre conspiration? Y a-t-il quelque chose de mal à ce que les meilleurs d'entre nous contrôlent notre pays et éventuellement peut-être le monde entier? Les financiers internationaux sont-ils les maîtres de l'univers?
Il y a beaucoup d'aspects négatifs à l'organisation du monde par un groupe élitiste. On a toujours dit au peuple américain qu'il contrôlait son destin à travers leurs représentants élus. Quand on apprend que ces représentants élus se rencontrent à huis clos, entourés de gardes armés, et que le peuple n'a aucune façon d'intervenir dans les décisions prises par eux, décisions qui vont affecter le futur du peuple américain et du reste du monde, on est en droit de se demander pourquoi ces personnes ont le pouvoir de dicter notre avenir. L'objectif principal d'un gouvernement mondial est d'éliminer le nationalisme. On peut se demander pourquoi ce n'est pas bien d'éliminer le nationalisme, puisque cela enrayerait les guerres du même coup. La réponse sort de la bouche du Britannique Lord Acton. Le pouvoir total corrompt totalement. Si vous pouviez imprimer $1 milliard demain, vous pourriez devenir le maître de l'univers. Mais c'est impossible, car ils ont le monopole. Aussi longtemps qu'ils vont pouvoir imprimer l'argent et acheter le New York Times, le Washington Post, les membres du Congrès et les présidents, nous ne pourrons rien faire contre eux. Lorsqu'une poignée de personnes dirige le gouvernement, ce n'est plus un gouvernement démocratique. Le gouvernement des États-Unis est dirigé par une cabale secrète. Et ce n'est pas qu'ici. C'est la même chose en Angleterre, en France, en Allemagne, dans les autres pays d'Europe et, dans une moindre mesure, au Japon. C'est une conspiration contre les États-Unis et l'Occident. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que les Rockefeller, les Rothschild et ceux qui gravitent autour de ces familles sont les maîtres de l'univers ? Je répondrai ceci. Ils désirent devenir les maîtres de l'univers, mais il y a beaucoup de gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Quelle arnaque! Ils créent de l'argent à partir de rien. Ils en ont tellement que l'argent ne compte pas pour eux. Tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Ils veulent seulement être en mesure de contrôler la situation politique pour arriver à leur fin. Ils n'ont pas encore réussi aux États-Unis en raison de la richesse, de l'indépendance et de l'esprit patriotique des Américains de la classe moyenne. C'est la seule chose qui empêche notre monde de sombrer dans le despotisme totalitaire. Si je vous sers une tasse de café qui contient 95% de café et 5% d'arsenic, même s'il y a plus de café, vous allez mourir. Ce que l'on nous sert, c'est un mélange de vérité et de mensonge pour expliquer les événements qui surviennent dans notre monde. Il y a assez de vérité pour que ce soit plausible, mais assez de mensonges pour que l'on reste dans l'ignorance. Il faut blâmer en grande partie notre système d'éducation. Nous sommes en train de faire des idiots avec nos enfants. C'est la forme la plus cruelle de censure. La majorité des enfants de cette génération sont incapables de lire les livres qui démasquent ces hommes. Il semble opportun de conclure avec une citation de l'homme qui a ouvert le bal, Woodrow Wilson, le président rêveur qui voulait changer le monde, mais qui a regretté à la fin de sa vie plusieurs des réalisations attribuées à sa présidence. Il a dit « Nous sommes contrôlés par un groupe d'hommes puissants issus du gouvernement le moins bien dirigé et le plus contrôlé du monde civilisé. » Est-ce que des conspirateurs sinistres contrôlent nos vies? S'ils existent, je ne voudrais pas être l'un des leurs. Les sociétés démocratiques ont toujours été la plus grande gloire de la civilisation humaine. En démocratie, le peuple décide et ne veut pas que l'on décide pour lui. Ces maîtres de l'univers existent-ils? Nous vous avons présenté les preuves. C'est à vous de décider. Just when you think that your life has turned sunny, you're counting your money, tasting the honey. Just when you think you're ahead of the game, someone changes the rule. Stable, the interest is low, inflation is slow. Just when you think you're made in the shade, someone
changes the rules.